Bonjour les amis, bienvenue pour notre nouvelle vidéo. Mais oui. Aujourd'hui, on va parler sur les valeurs. Le titre de la vidéo, c'est... Ben, c'est « Tu as de la valeur ». Chacun de nous, on a notre valeur. C'est pas les gens qui donnent cette valeur, c'est pas les choses qu'on a qui donnent cette valeur. C'est vraiment qui on est. C'est ça qui est la valeur, qui est plus importante. Et on voulait parler de ça à vous dans cette vidéo. Ouais, parce qu'en fait, ta valeur, elle se mesure pas à la valeur que les autres expriment pour toi. Ça, c'est très important. On veut vraiment... vous avez tous de la valeur. On veut vraiment appuyer que vous qui regardez cette vidéo, on a tous de la valeur. Tu as de la valeur. Et il faut vraiment pas s'appuyer sur ce que l'on voit, sur ce que les autres nous témoignent. Bien sûr, quand c'est positif, hein, bien sûr, c'est édifiant, c'est encourageant, ça nous met en valeur. Mais il faut pas se fier... En fait, à ces opinions-là. Parce que par nos blessures, puis par notre passé, on peut en fait être mal aiguillé, en fait, et en fait avoir une mauvaise estime de soi-même et faire que on n'a pas de valeur, où on se dit, oh mais moi j'ai pas de valeur, je vaux rien, oui. je suis nul. On peut avoir toutes sortes de pensées comme ça qui nous dévalorisent. Et souvent, aussi, c'est nous-mêmes qui nous dévalorisons. Oui, on peut avoir cette attitude par rapport aux paroles qu'on parle de nous-mêmes. Chaque fois qu'on parle des paroles, on écoute souvent que les paroles, elles ont du pouvoir. Et chaque fois qu'on parle des mots, des paroles négatives sur nous-mêmes, ça nous met dans notre tête qu'on est ça. Mais en fait, on n'est pas nul réellement. Sauf ce qu'on croit à ses paroles. Et puis c'est très important de vraiment éviter déjà ça, ce côté négatif, d'avoir des paroles négatives sur vous-même et pas être en attente aussi des opinions des autres. Parce que des fois, c'est vrai que des fois on a besoin que quelqu'un vienne, ah, t'as bien travaillé, t'as bien fait ça. Mais sans avoir cette motivation, je crois qu'on a déjà ce côté positif de savoir, waouh, moi j'ai fait des bonnes choses, moi je travaille bien, moi je suis une bonne personne. Et puis déjà là, ça change beaucoup de choses. Et toi qui nous écoutes, toi peut-être qui te trouves sans valeur ou avec peu de valeur, mais nous voulons vraiment t'apporter en fait ce message que n'attends pas que les autres t'apportent de la valeur. Mais vraiment, mets-toi en mouvement, tu as de la valeur, reprends confiance, marche, découvre tes talents, mets en avant tes talents et tes dons et tes qualités. Ça, c'est quelque chose qui est très important, tu as de la valeur. Et c'est ça qu'on voulait laisser comme message pour cette vidéo. C'est une vidéo de fin d'année aussi, on approche de la fin d'année, des fois on se sent seul, on se sent... C'est tout à fait une période où des fois il y a des difficultés pour certaines personnes. Oui, et puis c'est vraiment s'encourager et puis de prendre ce message comme un coup de pouce de courage pour vous et que vous pouvez vraiment vous sentir bien dans cette période de fête. Des fois c'est difficile, des fois on n'a personne, des fois on a beaucoup de monde autour de nous et nous-mêmes on ne se sent pas bien. Mais on voulait vous apporter ce petit message pour vous encourager et pour vous dire que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu vous a créé comme une créature merveilleuse. Vous avez de la valeur. Vous avez tout le potentiel. Potentiel, exactement. Et oui. C'est le Dieu qui a mis en vous. Ouais. Puis en fait, vu que tu parles du domaine de l'amour que Dieu a pour chacun de nous, c'est vrai que on approche les fêtes. Et puis, on a bientôt la Noël, qui est en fait la naissance du Christ, de Jésus. Et en fait, le Christ, cette naissance, ce sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, c'est vraiment Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Là, on voit vraiment que Dieu aime chacun de nous. Il a donné son propre Fils. Imaginons-nous un petit peu, si nous,
on serait capable de donner notre fils pour sauver quelqu'un ou pour sauver l'humanité. Dieu l'a fait. Et c'est ça, cette fête de Noël, de cette naissance. C'est la naissance d'un sauveur. Et cette naissance du sauveur, c'est un sauveur pour toi aussi. Mm-hmm. Toi qui es peut-être en train de nous écouter, qui n'a peut-être pas de valeur, qui sent qu'il a peut-être, que toi, tu es sans valeur. Eh bien non, tu as de la valeur. Parce que Dieu est venu chercher chacun de nous. Et j'aime bien aussi toujours redire qu'en fait, Dieu est à une distance que d'une prière. Et j'aimerais vous encourager par ces mots-là. Et surtout, ne restez pas seul. Faites des pas. Grandissez dans votre estime de vous-même. On fait aussi des erreurs. On a besoin aussi d'être pardonné et de pardonner. Et vraiment, tu as de la valeur. Merci beaucoup et à merci la prochaine. Beaucoup. Soyez à la bénis. Prochaine, soyez bénis.